I be like, there she go, I be like, there she go. She can't stand these hoes, she don't even know. She the only one I want, she don't know she got me chasing. Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on a assisté à un match des Pays-Bas très parfait. On va pas dire vraiment très parfait puisque ça a commencé un peu difficilement. C'est sur cette première mi-temps là où il y avait peu d'occasions, mais ça a joué assez équilibré des deux côtés et les deux équipes se cherchaient. Par contre à la première mi-temps, pour moi, je ne veux pas trop parler de la première mi-temps, je veux plus parler de la deuxième mi-temps, puisque la deuxième mi-temps, c'était un peu difficile pour les Pays-Bas, parce qu'il fallait vraiment une victoire pour se lancer dans cet Euro 2020. Mais vraiment, là, le souci, c'est que les Pays-Bas, en fait, ils sont en place, mais je pense qu'il y a quelques petits réglages à faire, puisque sur les deux buts qu'ils ont pris, bon, je ne veux pas revenir dessus, je ne veux pas polémiquer dessus, mais c'était pas des. Bon, on va dire c'est des buts comme les autres, mais bon, on va dire. Moi, j'ai pas compris le jeu quand même, puisque je pense qu'ils pouvaient, les Pays-Bas pouvaient gagner largement sur un score de 2-3-0, parce que quand on voit les Pays-Bas gagner 1-2-0, à un moment donné, il faut que la défense soit solide, mais là, la défense, il y a quelques petites failles à régler. Mais je pense que les Pays-Bas peuvent faire quelque chose. Déjà, se qualifier, ce serait largement possible. Je les vois déjà se qualifier, qu'ils finissent premier ou deuxième. Déjà, la place de premier peut être dans leur faveur. Mais on va quand même se dire, je ne veux pas trop m'enflammer, parce que quand même là, c'est les premiers matchs, les équipes jouent et puis après toutes les équipes n'ont pas joué. Mais je pense pour la qualification, les Pays-Bas, je veux juste dire que la qualification, c'est sûr, c'est acquis. Normalement, les Pays-Bas vont se qualifier. Mais après, je vois pas les Pays-Bas aller en finale. Bon, après, est-ce que s'ils vont me faire tromper de ce que je veux dire, mais je vois pas que les Pays-Bas vont aller en finale. Parce que là, l'équipe, elle est. Je la sens un peu solide, mais il y a quelques petits réglages, c'est un peu fragile. Mais c'était un beau match quand même aujourd'hui, puisque quand j'ai vu ce score s'ouvrir de 1-0 pour les Pays-Bas, je me suis dit que normalement, même Memphis Depay pouvait marquer. Mais bon, Memphis Depay, il y a des soirs là où il va faire un match, mais il y aura 0 but. Et peut-être que le match contre l'Australie, il va marquer. Puisqu'on attendait tous un but de Memphis Depay dans ce match, mais c'était difficile, on n'a pas trop vu par rapport à les autres qui ont marqué, mais bon, genre, on ne va pas trop polémiquer dessus. On va dire juste pour un bon début, c'est un très bon début. Au moins, ils se sont battus jusqu'au bout des Pays-Bas. Et ce qui est bien, c'est que la victoire à la fin du match était vraiment exceptionnelle. Moi, je suis content pour ce match-là, je suis content, mais je pense qu'il manque quelques truc à régler pour les Pays-Bas pour être un peu plus solide, parce que s'ils rencontrent la France, je pense pas qu'ils vont passer, puisque la France c'est du costaud. Hein. Bon, on se retrouve les amis pour la prochaine vidéo de l'équipe de France qui va jouer son premier match contre l'Allemagne. Ce sera un match très attendu de tous les Français. J'espère que les Français vont gagner ou voir faire ce match nul. Mais ce serait très important que la France se lance sur cet Euro avec une victoire. Je vois bien la France gagner 1-0, mais on verra bien qu'est-ce qui va se passer. Mais sur revenir sur ce match de ce soir des Pays-Bas, le match j'ai aimé, les Pays-Bas ils ont gagné, mais j'ai l'impression que ce soit en défense, il y a des choses à régler. Mais l'attaque, on va dire qu'on a un peu trouvé l'attaque, on a trouvé un peu ce qu'il faut, mais la défense, il faudra un peu régler, il faudra que ça soit un peu plus solide pour aller jusqu'en finale, puisque là, c'est un peu compliqué, mais bon, après,
la qualification, c'est sûr que les Pays-Bas vont se qualifier, ça c'est sûr. Et là, j'ai pas de doute sur ça, les Pays-Bas vont se qualifier. Après, voir qu'est-ce qui va se passer la suite après les qualifications. Mais ce match était tranquille, même si j'aurais aimé que Memphis Depay marque, il n'a pas marqué. C'est un peu désolant, mais bon, on verra bien la suite du tournoi et le prochain match des Pays-Bas face à l'Australie. Je pense que Memphis Depay devrait marquer un but, j'espère bien. Et normalement, les Pays-Bas vont jouer contre l'Australie pour une petite victoire. Avec l'équipe qu'ils ont, je pense qu'ils ont les moyens et le potentiel de finir à premier, voire deuxième. Mais les Pays-Bas vont se qualifier, ça c'est sûr et certain, j'ai pas de doute dessus. On se retrouve pour la prochaine vidéo, les amis, ne ratez pas. Avec l'équipe de France qui va jouer contre eux, cette équipe de la Mannschaft, l'Allemagne qui est très très puissante et qui monte en puissance. Là, on va voir qu'est-ce qui se passe si l'Allemagne a toujours son niveau et si la France a toujours le niveau de battre l'Allemagne. Parce que là, ça va être un match très tendu. Je vois beaucoup le 1-0 pour la France. Mais c'est vrai que c'est 50-50. Il y aura peut-être un match nul entre ces deux équipes parce que c'est un très gros match. Mais je vois pas la France perdre contre l'Allemagne. Je vois voir un petit match nul ou une victoire française. On se retrouve pour le prochain match face à l'Allemagne et l'équipe de France. Salut les amis.